L'hiver, c'est tellement le meilleur moment de l'année pour s'écraser, s'emmitoufler et se taper des bonnes séries télé. Je vais vous faire mon top 5 des séries télé à surveiller cet hiver. Mais juste avant, il ne faut pas oublier le retour de Suits, deuxième moitié de la saison 5 sur USA, et le retour de The Walking Dead, deuxième moitié de la saison 6, le 14 février sur AMC. Au numéro 5, la nouvelle série American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. On est allé pour un petit titre punché. C'est évidemment sur le procès d'O.J. Simpson qui a eu lieu dans les années 90 et la distribution inclut John Travolta et Cuba Gooding Jr. dans le rôle d'O.J. Simpson. Vous allez pouvoir voir les 10 épisodes à partir du 2 février sur la chaîne FX. Yeah, what have you got? Got two victims in Brentwood. Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood. Right. You're gonna say this case is all about race? Yes, because it is. Do you think he did it? She was terrified of him. En quatrième place, une autre nouvelle série, Vinyl, avec Bobby Cannavale et la belle Olivia Wilde, qui nous amène dans les années 70 dans le monde de la musique. Ce sera diffusé sur HBO, 10 épisodes à partir du 14 février. Writing on this company. You got a guilty conscience, and this is what you come up with? That's it. That's all I got. I promise I'm gonna bring us back. Let's show people how rock and roll is supposed to make you feel. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Au numéro 3, une valeur sûre des dernières années, House of Cards sur Netflix. Quatrième saison qui ajoute à la distribution cette fois-ci Neve Campbell, qu'on connaît surtout pour son rôle dans la série Party of Five et dans les films Scream. Vous allez pouvoir voir ça en rafale dès le 4 mars sur Netflix. I believe in pointing people in the right direction, but in the end, we should all be free to make our own decisions. They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood. And in your heart, you know I'm right. Au numéro 2, on est en mode nostalgie ces jours-ci. Au Québec, on nous ramène Les Pays d'en haut, Piment fort. Et là, on nous ramène une des sitcoms américaines marquantes, Full House, qui a été diffusée de 87 à 95, 193 épisodes. Et là, tous les acteurs sont de retour, sauf Mary-Kate et Ashley Olsen. Et ça nous raconte l'histoire de DJ, qui est nouvellement veuve et qui est mère de 3 enfants, qui demande l'aide de sa sœur Stéphanie et de sa meilleure amie Kimmy. Vous allez pouvoir voir les 13 nouveaux épisodes sur Netflix dès le 26 février. Le grand numéro 1, c'est un autre retour, la série culte The X-Files, qui était diffusée de 93 à 2002, 201 épisodes, et là, les agents Scully et Mulder sont de retour pour 6 épisodes dès le 24 janvier sur le réseau Fox. We've been given another case, Mulder. Somebody out there? It has a monster in it. I'm here. They're coming. Are you ready? Get out! This is dangerous. When has that ever stopped us before? C'est ce qui conclut mon top 5 des séries les plus attendues cet hiver. Tu peux inscrire dans les commentaires la série que t'attends avec le plus d'impatience et tu peux évidemment me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter et on se revoit très bientôt. Moi, je vais aller écouter quelques séries. C'est le temps, là. Ciao, ciao! Je suis allé voir le film le plus attendu du mois de janvier, The Revenant, en français Le Revenant, qui est basé sur des faits réels.